Salut les amis, c'est Lundiage, voici pour une nouvelle vidéo, plutôt une nouvelle série. Donc ça sera une série Common Block, où je créerai un serveur qu'avec des Common Blocks sans aucun plugin. Du coup, tout en jeu. Voilà. C'est un peu du map making, mais ça sera un serveur. Genre, il y aura sûrement peut-être du rush, qu'on fera pas en survie, mais en Common Block. Voilà. Donc pour commencer, donc j'ai fait le spawn. Je vais vous montrer un petit accéléré. Donc alors, donc ça c'est la plateforme de spawn. Donc bah les gens ils vont spawner là, 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 donc ça sera ici. Bon après on a une game rule, slash game rule. Voilà, spawn radius. Donc là de base il est à 10. C'est-à-dire que là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. En gros ils peuvent spawner dans un rayon de 10. Donc c'est pour ça qu'il y a une plateforme de base. Mais le nous on va le mettre genre à 5 pour être sûr. Donc là il va se poser dans un rayon de 5. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire on va prendre un common block et on va bah d'abord je fais un petit plafond en dessous. On va se mettre là à côté. Je vais prendre un peu d'andésite bien sûr. Parce que on va pas confondre. Voilà. Je crée un peu ça vite fait. Voilà. Donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on bah pour commencer la série du coup bah ce qu'on va faire c'est que dès qu'il spawn ce qu'on veut c'est que ça allait donc ils vont spawner ici c'est que ça allait TP là-bas. Ce qu'on veut. Donc du coup bah on va d'abord faire ça. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire donc ça va on va faire slash TP. Bah tous les joueurs donc arrobase A c'est pour unir tous les joueurs mince j'ai pas pris les coordonnées je pense que c'est en 150 100 je l'ai mis là-dedans 150 ah, 151 100 100 en 51 et 100 donc là c'est la MTP ici et je vais mettre donc alors ça c'est pour dire la direction de la vue comme ça voilà puisque autrement bah il se TP genre si regardait vers le bas bah c'est les TP vers le bas et tout du coup c'est pas très très bien alors donc ça on va TP tous les joueurs qui sont bah ici dans un rayon bah ici ouais on va faire les DX machin. Hop, ici c'est pas ici et au début il y avait un endroit bien précis voilà c'est ici alors ouais je vais juste faire un petit truc option discussion non c'est pas ça. Voilà, c'est ça. C'est pour qu'on voit les coordonnées quand on fait slash pour écrire une commande. Autrement, ça prend tout l'écran et on voit rien. Petite technique. En fait, option discussion et hauteur sans focus, avec focus. Ici, alors. Voilà, c'est ici. Alors, du coup, on va faire. On va ouvrir les crochets. C'est pour mettre des trucs. On va faire x bah, moins 7. Enfin, moins 8 parce qu'il faut toujours ajouter 1. Y4. Z est égal bah, moins 8 aussi. Après, on va faire dx. Donc là, il faut jeter combien de blocs on veut dans le x. Donc on veut. Ah, ça le fait quand même.
On veut, je sais combien de blocs la plateforme, je pense c'est 15, 30. Ouais, on va mettre 30. Donc DX30. Hop, donc c'est un rayon de. Ça va faire 30. Un rayon. Bah, ça va faire une plateforme de 30 après. Après DY, bah, on va mettre égal 2. Comme ça fait 2 en hauteur, ça fait un cube de 2. Et DZ, bah, 30 aussi. On copie, on met dans le command block. Et donc, comme nous sommes en appendice, comme vous pouvez le voir, et ben on a les répétitions. Du coup, dès qu'on rentre dans la zone, ça nous TP. Démonstration. Ah mince. On va mettre par la redstone. Moi, j'ai mis même par la redstone, puisque comme ça, on peut voir ceux qui sont activés ou pas. Voilà, dès qu'on rentre. Pouf, un TP. Donc bah c'est bien, mais ce qu'on voudrait, c'est d'abord bah ça fait un message, c'est pas très beau le petit message là. Du coup bah on va l'enlever. Game rule command block output false. Donc alors bah on va le mettre ici. Bah on va les mettre ici après. On va le mettre ici. Alors en chaîne. Donc chaîne, c'est-à-dire que ça fait. Je vais vous montrer. Hop. En gros, c'est-à-dire que ça fait ce qu'on bloque là et qui envoie là-dedans. Donc là, celui-là, il est répété aussi. Mettre un conditionnel comme ça, je pense que ça fait moins laguer puisque il est pas répété. Après, on veut que ça fasse ça et on veut que ça quand même affiche un petit message. Alors, ce qu'on fait, c'est que là, j'ai déjà préparé des messages. Bon, juste avant, on va récupérer ça. Voilà. On va prendre ce comme bloc. Alors. Donc là, j'ai déjà fait un petit message. C'est avec. C'est un sur navigateur avec. Ça s'appelle. John for Minecraft, là. Vous aurez le lien dans la description, bien sûr. Du coup, on fait ce qu'on veut. C'est que ce soit. Ça fasse une chaîne, ça TP à la fin. Du coup, pour que ça TP à la fin, on met ça tout à la fin. On met en chaîne. Voilà. Donc ça, c'est à garder. Alors, vous pouvez mettre toujours actif, autrement ça marchera pas. Voilà. Alors, donc là, on veut que ça fasse ça. Donc là, non, c'est bon. Ça fera bienvenue sur le serveur machin. Et après, là, j'ai mis aussi un petit subtitle. Voilà. Donc, faut mettre en conditionnel et toujours actif, hein. Voilà. Et on va dire qu'après, bah, ça clear l'inventaire. Rebase A. Et ça fait quoi d'autre? Un petit son. Ça fait un play sound. Minecraft player. Ah non, entity. Point player. Point level up. Voilà, ça fait ça. Donc là, je reprends le truc. Alors du coup, là, donc là, ça fait un son, bah, à tous les joueurs qui sont là, hein, comme d'habitude. Du coup, bah voilà. Et normalement, j'espère que ça a marché. Mince. Alors, c'est quoi les soucis? Ah voilà. Là par exemple, j'ai oublié, ça s'exécutait pas. Parce qu'il faut mettre toujours actif. Il faut pas oublier. Donc là. Là, ça m'a clear, ça m'a TP. Mais par contre, on n'a pas eu le petit bruit. Parce qu'en gros, j'ai. Mince. J'étais où? Voilà. En fait, j'ai été TP juste après. Du coup, le son il s'est exécuté ici. Mais comme j'étais là-bas, bah j'entendais plus le son. Donc alors, pour régler ce problème. Oh les amis, du coup, bah là j'ai réglé le petit problème.
Ouais, c'est pas vraiment très très réglé, mais ça marche quand même. Donc, je vais vous montrer. D'abord, on peut d'abord casser ça. Dès qu'on spawn, donc là, mais on... Pouf! Bien sûr, ça marche pas. Faut que je monte le son, il y a... Je vais mettre là en voice. Qu'on entende bien. Voilà. Voilà. Donc là, vous l'avez entendu, c'est fait un peu mitraillette, mais c'est rapide, du coup, ça fait un son de bienvenue. Pour la vie. Voilà. Ça manque un peu de lumière. Je vais mettre. Lumineuse. Là, comme vous voyez, j'ai Optifine, du coup, bah, ça me fait un petit truc quand je suis là, quand j'ai de la lumière, pardon. C'est vraiment cool qu'on puisse taper place maintenant qu'on est en 1.10, on peut même en 1.9 on peut placer les trappes comme on veut. Voilà, là un peu de lumière. Du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on bah, ce qu'on va faire genre ça leur affiche un message bienvenue et que ça leur donne ah, je crois que ouais, ça leur donne une map. Map où il sera marqué menu peut-être. Hop, comme ça. Ouais, on fait ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ça va give. Je vais juste prendre ça. Tous les jeux. Map. C'est comme ça. Donc c'est fill and map. Si vous voulez savoir comment on affiche bah, les Minecraft de points comme ça, vous faites F3, fonction 3 pour afficher les coordonnées, plus vous appuyez sur le bouton H en même temps. Voilà. Ça l'écrit. Hop, voilà, là c'est montré. Donc c'est bien fill and map. Quantité donnée. Ah, mais bien sûr, je suis pas dedans. C'est logique. On met ça. On va décaler un peu ça. Voilà. Et on. J'espère que ça m'en donne qu'une. J'en ai 4. Bon, au pire, il n'y a pas de son, c'est pas trop trop grave. Voilà, comme vous pouvez le voir. Faut que ça me clear. Voilà. Là, j'ai une carte. Une carte qu'on mettra un peu spéciale, qu'on changera un peu plus tard. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi mettre leur spawn point. Ça, on va le décaler, décaler. Alors, slash spawn point en 100. Attends, c'est quoi déjà? Je pensais à tous les jeux. C'est ça, donc slash point point à tous les joueurs et on va leur mettre bah, en 151 100. Voilà, chaîne. Voilà, après ça leur fait quoi d'autre? Ah, ça leur fait un petit blindness. Non, c'est pas une petite.
Ça les met en game mode 2, bien sûr. Voilà. Et pour c'est tout, hein. Si, attends. Ça met qui roule. C'est aussi bienvenue, machin. Attends. Donc, petite ellipse, je vais juste chercher la com. Donc, relami, du coup, bas, ça marche. Donc, démonstration. Voilà. Bon, je peux pas l'afficher en couleur parce que. Enfin, pour l'afficher en couleur, il faudra passer par un logiciel qui modifie un peu les couleurs de la map. Bon, si vous voulez, on peut le faire tout de suite. Ouais, on va le faire tout de suite. Ça, c'est fini. Marche pas tous les coups. Ouais. C'est bizarre, mais je pense peut-être savoir. Faut que je vois. Ouais, bah ça marche très bien. Alors, non, ce qu'on va faire, bah je vais faire un petit ellipse encore une fois, bah, pour aller sur le logiciel. Qu'on modifie le truc. Les amis, du coup, on se trouve sur le logiciel MBT Explorer. Du coup, bah, on va ouvrir le dossier du serve et on va faire find et on va chercher bah, notre commande. Vous tapez juste la c comme ça. Ça va chercher et ça va trouver la commande. Du coup, on en a qu'une. Là, comme vous voyez, j'ai déjà fait des tests, donc faut copier ce petit symbole et faut le mettre devant chaque mot. Ici. Autrement c'est bizarre parce que ça marche pas. Hop. Le serveur pour là. Première fois. On fait OK, on appuie sur save. Et bah, les amis, du coup, bah nous voilà, on ouvre. Donc là, on spawn ici. Où est Aïla? Notre tête que mon bloc. Et là, normalement. Voilà. Tout est en couleur. Et là. Ouh. Là, ça met ça. Je vais voir si. Juste faire un test pour voir si on peut copier le truc directement in-game, ça m'étonnerait. Toujours essayer. Vais faire un test. Alors, on le sait. Et là, normalement, ça me copie. Ouais, non, ça marche pas. Du coup, bah, je modifierai ça pour la prochaine fois où ça sera marqué. Parce que là, il y a quand on fait ça. Après, ça marque pas en couleur. Voilà. Du coup, bah, il y aura juste le pseudo qui sera pas en couleur, mais c'est pas très grave. Voilà, du coup, bah, les amis, en espérant cette vidéo, bah, vous aurez pu liker, pouce vérisé. Ouais, c'est un peu galère parfois, mais ça ira. Donc, voilà, donc, plus on a, vous avez eu le petit accéléré du truc là-haut. Du coup, bah, bon, bah, à plus, les amis.